السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du mercredi 12 صفر 1434 de l'Hégire. Ce qui correspond au mercredi 26 décembre 2012. Aujourd'hui, dans la ainsi étaient nos pieux prédécesseurs, on va parler, inshallah ta'ala, on va parler de la crainte du commandement. La crainte du commandement chez les salafs. Chez les salafs, radiallahu ta'ala anhum, wa rahimahumullahu jama'in. Donc, on va commencer par lire, inshallah ta'ala, quelques extraits. Une seconde, inshallah. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد بن المسيب رحمه الله rapporte. Il a dit, سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه envoya un homme à عبد الرحمن qui prononçait un serment et lui dit, il lui a dit, mets-toi à la tête des gens. Occupe donc le poste, inshallah ta'ala, de commandeur. Alors Abdurrahman répondit, que ta mère te perde, takilatka ummuk, que ta mère te perde. Personne ne peut occuper cette place après Omar radiallahu ta'ala anhu sans que les gens ne le blâment. Que ta mère te perde. Naam. Pourquoi? Car sache que personne ne peut occuper cette place, la place de commander les gens, commander les croyants. Personne ne peut occuper cette place après Omar radiallahu ta'ala anhu sans qu'il ne soit blâmé par les gens. Et Omar radiallahu ta'ala anhu, vous savez le degré de piété qu'il avait, le degré d'ascétisme, le degré de peur d'Allah, le degré d'intuition qu'il avait aussi, et. Au point où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, s'il y avait après moi un prophète, ce serait Omar. S'il y avait après moi un prophète, ce serait Omar. Cheikh Al-Albani a dit hadith authentique. Al-Sha'bi rahimahullah rapporte. Il a dit, Omar dit à Ammar, radiallahu ta'ala anhumah. Fawzi, je te demande, Barakallahu fik, si tu es présent, à chaque fois que je commence de citer quelque chose, écris mon numéro 1. Car la connexion est mauvaise et je n'aime pas yani, parler dans le vide alors que peut-être je suis déconnecté. Barakallahu fik. Al-Sha'bi rapporte, rahimahullah, il a dit, Omar, radiallahu ta'ala anhu, a dit à Ammar, Ammar ibn Yasser, vous connaissez, il a dit, le fait que nous t'ayons démis du poste, t'a-t-il causé du tort? Tu avais un poste, mashallah, on t'a démis du poste. T'a-t-il causé du tort? Il répondit, puisque tu en parles, alors, sache que le fait que tu m'aies nommé m'a causé du tort. Et le fait que tu m'aies démis m'a causé du tort. Non. Démettre quelqu'un d'un poste, ce n'est pas facile. C'est pour cela, vous savez que c'est très difficile pour quelqu'un
Surtout qui ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui n'est pas dans le dîn, quelqu'un qui est noyé dans la dunya, c'est très difficile, par exemple, de lui donner un poste, ensuite de lui enlever. Ce serait vraiment un châtiment pour lui. Non, une punition. Tayyib. Donc, celui-là, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, certes, quand tu m'as démis, ça m'a causé du tort. Mais, quelque chose en plus que ne disent pas les gens de la dunya, il a dit, et sache aussi que le fait que tu m'aies nommé m'a causé du tort. Alors que les gens de la dunya, qui aiment la responsabilité, là, ne sentent jamais de tort quand ils sont nommés. Bien au contraire, ils jubilent de joie. Là, ils exultent, ils sont très très contents. Très contents, pourquoi? Parce qu'on leur a donné une responsabilité. Abd Samad ibn Ma'qal, rahimahullah, rapporte. Il a dit, on a dit à Web, on a dit à Web, ô Abdullah, tu avais des visions, tu nous en informais, tu avais des songes véridiques et à chaque fois tu nous en informais, tu nous disais ce que tu as vu dans les rêves, et alhamdoulilah, ils ont dit, et elle s'avérait être exacte. À chaque fois que tu voyais quelque chose dans le songe, tu nous l'as raconté. Elle s'exauçait. Mais maintenant, c'est-à-dire, tu ne nous racontes plus des choses pareilles. Il a dit, cela est bien loin. Cela est bien loin. Vous parlez d'un temps, classe, révolu. Il a dit, tout cela a cessé. Tout cela a cessé depuis qu'on m'a confié l'exercice de la justice. Tout cela a cessé depuis qu'on m'a confié d'être juge entre les gens. Tout cela a cessé depuis que, yani, on m'a donné une responsabilité. Classe, les beaux rêves et les rêves véridiques, les songes véridiques, tout ça c'est parti. Depuis que, yani, on m'a donné une responsabilité et je l'ai accepté. Non. C'est-à-dire que pour lui, c'est comme une punition. Une punition d'avoir accepté ce poste. Alors là, subhanahu wa ta'ala, va t'enlever le fait de t'aider en te donnant des rêves, comme on dit, véridiques. Et vous devez sûrement savoir que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit que, il a dit que plus la personne est véridique quand elle parle, plus quoi? Plus son rêve est véridique. Authentifié par Cheikh Al-Albani, rahmahullah. Asdaqukum hadithan, asdaqukum ru'ya. Plus tu es véridique quand tu parles, plus tu vois des rêves véridiques. C'est pour cela que si tu vois que tu ne vois pas de rêves véridiques, alors il faudrait voir du côté du mensonge. Que peut-être tu es quelqu'un qui, yani, ne craint pas Allah subhanahu wa ta'ala dans cette chose-là et que de temps en temps tu mens ou alors tu mens beaucoup. Mais plus, yani, tu te surveilles, tu jures par Allah subhanahu wa ta'ala de te surveiller pour ne plus mentir, plus tu commenceras à voir des rêves qui, à chaque fois quand tu les vois, ils vont s'exaucer bi'idhnillahi ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Il a dit, certes, les élus d'Allah n'auront ni peur, ni seront tristes, ni peur, c'est-à-dire de ce qui les attend dans l'au-delà, ni seront tristes pour ce qu'ils vont laisser comme femme et épouse, etc. Allah Ta'ala veut dire, nous sommes. Naam. Alla inna awliya Allah, la khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Qui sont les élus d'Allah? Alladhina amanu wa kanu ittaqun. Ceux qui étaient croyants et qu'en plus de cela étaient pieux. Car tu peux être croyant, tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, khalas, tu es un croyant, tu es un musulman. Mais tu n'es pas pieux. Peut-être que tu bois de l'alcool, peut-être tu fais la zina. Et peut-être tu fais mille et une choses. Mais Allah Ta'ala a dit, les élus, mes élus sont ceux qui croient et qui en plus de cela ont la piété. Ils ont la bonne nouvelle dans cette vie. Ce verset a été expliqué par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith rapporté par Ahmed. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit sahih dans Sahih Al-Jami'. Qu'a-t-il dit sur ce verset? Il a dit, lahumul bushra fil hayat dunya, il a dit, الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له.
Il a dit, quand Allah Ta'ala a dit, ils auront la bonne nouvelle dans cette vie, il voulait dire par là le songe véridique. Que Allah Ta'ala fait voir à la personne qui est pieuse, ou bien lui fait voir, yani, c'est la personne elle-même qui voit, ou bien par intermédiaire. Non, car des fois, c'est pas toi qui vois, mais tu rencontres une personne qui est Masha'Allah et qui te dit, voilà, je t'ai vu dans un rêve, Masha'Allah. Je t'ai vu dans un rêve, Masha'Allah, en train de ceci et cela, de choses bien, par exemple. Ou alors, j'ai rêvé du prophète, alayhi, il m'a demandé après toi, où étais-tu? Ou bien, muhim, des choses qui, yani, te font beaucoup de joie, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Une seconde, inshallah ta'ala, une seconde. Une seconde. Salam alaikum wa rahmatullah. On continue, inshallah ta'ala. Alhamdulillah. Ayyub rahimallah rapporte. Il a dit, lorsque Abdurrahman ibn Adina, le grand juge de Bassora à l'époque de Shuraïh, le grand juge décéda, mourut, on évoqua Abu Qilaba pour le remplacer. On évoqua alors quelqu'un de qui est Masha'Allah pour le remplacer. Ce dernier prit alors la fuite jusqu'à l'Yamama. Il prit la fuite jusqu'à yani aller au Yémen. Il a dit, je l'ai ensuite rencontré et lui en ai parlé. Et lui en ai parlé. Et il me dit, pour moi, non, je vais t'expliquer pourquoi je me suis sauvé quand on m'a proposé d'être juge. Je vais t'expliquer. Il a dit, pour moi, le juge savant est semblable à un homme en pleine mer qui nage jusqu'à se noyer. Non. Il va nager jusqu'à mourir. Donc il a dit, c'est comme quelqu'un qu'on jette en pleine mer et qui va nager, nam, jusqu'à se noyer. Nager jusqu'à se noyer. Abu Sha'tha, rahimahullah, Abu Sha'tha, rahimahullah, a dit, si j'étais éprouvé par l'exercice de la justice, si j'étais éprouvé par l'exercice de la justice, c'est-à-dire le fait de devenir un juge, il a dit, alors j'enfourcherai ma monture et m'enfuirai. Alors j'enfourcherai ma monture et m'enfuirai. Mekhoul, rahimahullah, a dit, Mekhoul, rahimahullah, a dit, plutôt qu'on me confie l'exercice de la justice. Je préfère qu'on me tue, naam, plutôt qu'on me confie l'exercice de la justice, d'être qadi, d'être juge. Et je préfère l'exercice de la justice à la responsabilité du trésor public. C'est-à-dire, plutôt que je ne devienne juge. Si je n'avais pas le choix, je préfère juge plutôt que. Hicham, alayhi rahmatullah, rapporte. Il a dit, le gouverneur Malik ibn al-Mundhir appela Mohammed, il l'appela et lui dit, occupe, il y a le juge, il y a le grand juge, il y a le grand juge, c'est-à-dire celui qui yani, commande les autres juges, celui qui commande les autres juges. Donc il lui a dit, occupe ce poste. Non. Il a dit, occupe ce poste, mais il refusa. Il refusa. Il lui dit alors, tu occuperas ce poste, ou alors je te ferai flageller 300 fois. Je te ferai flageller 300 fois. Il répondit, Abu Hanifa lui aussi qu'il ne le ferait pas. Abu Hanifa jura lui aussi qu'il ne le ferait pas. Alors, Rabi' ibn Hajim lui dit, le commandeur des croix, normalement, c'est-à-dire tu devrais obéir. Comment? Le commandement des le commandeur des croyants. Après, et toi, yani, tu jures.
Alors il lui répondit, le commandeur des croyants a plus la capacité d'expier son parjure. Na, Muslim, est-ce que tu veux qu'on aille dans un autre salon, Muslim? Al-Muhim, quand Abu Hanifa rahmallah n'a pas accepté d'être confié au poste de juge, Al-Mansour alors ordonna qu'on l'emprisonne et il mourut en prison à Bagdad. Et Abu Hanifa rahmallah mourut en prison à Bagdad. Ibn al-Qasim rahimahullah a dit, il n'y a aucun bien dans la proximité vis-à-vis des gouverneurs. Il n'y a aucun bien dans la proximité vis-à-vis des gouverneurs. C'est-à-dire que les gouverneurs, plus la personne se rapproche d'eux, plus yani, elle est sujette à rentrer, à tomber dans des fitna. Et plus la personne s'éloigne des gouverneurs, et plus c'est bien, inshallah ta'ala, pour elle et pour sa religion. Pour elle et pour sa religion. Naam. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique. Il a dit dans un hadith authentique, écoutez ce hadith là, regardez ce hadith là, pas de coupure, alhamdoulilah, pas de coupure, alhamdoulilah. Donc je disais que le meilleur pour le musulman de s'éloigner du gouverneur et des postes, c'est ça le meilleur bien sûr, car plus on se rapproche des gouverneurs, plus on tombe dans des fitnas. En quoi? Car il va donner des responsabilités, ou bien la personne, il va se trouver devant le gouverneur et elle ne pourra pas, par exemple, condamner le blâmable ou alors ordonner le bien. Des fois, elle ne peut pas, elle a peur, des fois, c'est par honte, des fois, par ceci, par cela, par hypocrisie, et elle va se trouver dans la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit, Men bada jafa. Tayyib. Donc ce hadith n'a pas été, je vois que ce hadith n'a pas été quoi? N'a pas été affiché. Vous voyez le hadith? Vous voyez quelque chose? Vous voyez, alhamdoulilah. Attendez, j'ajoute ce qu'a dit Cheikh Al-Albani rahimahullah. J'avais dit que. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, je vais essayer de citer ce hadith, je vais essayer de l'afficher si c'est possible. Une seconde. S'il veut s'afficher, bidnillah. Une seconde. Dites-moi si c'est affiché. Alhamdulillah. Donc le prophète alayhi sallam a dit, Men bada jafa, wa man itaba'a sayda ghafal, wa man ata abwab sultan, iftatam, ou ftutin. Men bada jafa, ça veut dire que le prophète alayhi sallam a dit que quiconque va vivre dans la campagne, il va devenir bedou, un compagnard, jafa. Jafa, ça veut dire que son cœur va durcir. Son cœur va durcir. وَمَنْ اِتَبَعَ السَّيْدَ غَفَلْ. Et quiconque va s'occuper avec la chasse ou bien la pêche. Saïd. S'occuper, yani prendre beaucoup de son temps de cela, il a dit غَفَلْ. Rafala, il va devenir distrait. Distrait, yani il va plus prier à l'heure, il va plus faire ses devoirs. Il va devenir distrait. Et demander à ceux qui aiment la chasse et la pêche, ils vous diront combien c'est difficile de délaisser son fusil ou bien de délaisser sa canne à pêche et d'aller prier. À chaque instant, il va dire juste 5 minutes, juste 1 minute, juste un autre poisson, juste ceci, juste cela,
Et le temps passe. Naam. Ensuite, ce qui nous intéresse ici, c'est la fin du hadith. À la fin, il a dit, alayhi sallam, il a dit, wa man ata abwab sultan iftatan. Il a dit, et quiconque s'approche, ou la va, le s'approche des portes du gouverneur, il tombe dans la fitna. Cheikh Al-Albani a dit, hadith authentique, numéro 6124, dans Sahih al-Jama. 6124, dans Sahih al-Jama. Quiconque s'approche du gouverneur, il va tomber dans la fitna. Et regardez, nous seulement, par exemple, ici en Algérie, plusieurs frères, Zama, qui étaient, mashallah, avec la barbe, Ramis, etc., ils vont dire, on va rentrer, yani, comme député. Ah. Donc, pourquoi vous allez rentrer comme député? Il a dit pour. Pour faire changer les choses et appliquer la charia, etc. etc. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Il s'est arrivé, comme a dit Cheikh Al-Albani, rahimahullah, ils sont rentrés pour changer, ils ont changé. Ils sont rentrés pour changer. Ce sont eux qui ont changé. Ils ont enlevé la barbe ou alors l'ont taillée au maximum. Ils ont enlevé le ramis et ils n'ont plus dit, ils n'ont jamais dit, Allah a dit ou son prophète a dit, alayhi sallam. Seulement, ils sont rentrés derrière la démocratie, ceci, cela, et les responsabilités, les lots de terrain, les voitures, les maisons, et comme ça. Non. Quiconque s'approche des portes du gouverneur, il tombe dans la fitna. Hadith authentique. Non. Quiconque va vivre dans la campagne, son cœur va durcir. Quiconque va occuper son temps avec la chasse, il va devenir distrait. Pourquoi? Pourquoi quiconque qui va vivre dans la campagne, son cœur va durcir? Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, il a dit, Al-A'rabu ashaddu kufran wa nifaqa wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzal Allah ala rasulih wallahu alimun hakim. Ce qui donne en français, afwan, les bédouins, ceux qui vivent dans la campagne, sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie. Et les plus enclins à ne pas connaître les préceptes qu'Allah ta'ala a révélés à son messager. Et Allah est omniscient et sage. Quand quelqu'un vit dans la campagne, qu'est-ce qui se passe? Dans la campagne, il est loin des savants. Les savants en général ne vivent pas dans la campagne. Les savants en général vivent dans les villes et dans les grandes villes. Car le savant, quand il va à la campagne, qu'est-ce qui se passe? Il sent qu'il ne joue aucun rôle. Toute la science qu'il a, il n'y a personne qui veut venir l'écouter. Il n'y a personne qui veut venir apprendre. Le campagnard est occupé par son labour, par ses champs, par la semence, par la pluie, par ceci, par cela. Il n'a pas le temps d'aller écouter un cours. Donc le savant, qu'est-ce qu'il fait dans la campagne? Il quoi? Il déménage. Il va dans la ville. Donc les bédouins, quand ils restent seuls là-bas dans la campagne, qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les plus enclins à ne pas connaître les commandements qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélés à son messager. Et donc, ce sont les plus endurcis dans leur impiété, c'est-à-dire leur cœur vont durcir. Exactement comme a dit le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Men bada jafa, qui va habiter à la campagne, son cœur va durcir. Al-Muhim. Abu Bakr ibn Abi Daoud, rahimahullah, rapporte, il a dit, Al-Musta'in billah envoya un émissaire à Nasr ibn Ali afin de le nommer grand juge. Abd al-Malik, le gouverneur de Bassora, le fit venir et lui ordonna. Et lui le lui ordonna, c'est-à-dire, il lui ordonna de devenir grand juge. Alors, il lui répondit, je vais repartir chez moi et consulter Allah subhanahu wa ta'ala, faire l'istikhara. Il rentra chez lui au milieu de la journée, accomplit deux unités de prière et dit, Ô oh Allah, Ya Rabbi, ô oh Allah, si j'ai un bien auprès de toi, reprends mon âme pour que, c'est-à-dire, je ne prenne pas cette responsabilité. Il s'endormit, la sieste, et lorsqu'on vint le réveiller, il était mort. Et lorsqu'on vint le réveiller, il était mort. Et Atiqa bint Ahmed rapporte, j'ai entendu mon père dire,
parvint à mon frère Othman le commandement, c'est-à-dire l'ordre d'exercer la justice, de devenir juge à Samoura, en Irak. Et il dit, quand on lui a dit, on t'a ordonné de devenir juge, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vais-je être juge devant Allah? Vais-je être juge devant Allah? Ensuite, sa vésicule se fendit et il mourut sur place. De peur, sa vésicule se fendit et il tomba mort. Soufiane, rahimahullah, interrogea à propos de Saad ibn Salt. Il a dit, qu'est-il advenu de Saad? Saad, on ne le voit plus. Qu'est-il advenu de lui? On lui répondit, on lui a confié le poste de grand juge à Shiraz. On lui a confié le poste de grand juge à Shiraz. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, c'est une perle tombée dans le foin. Dommage, hein? C'est une perle qui est tombée dans le foin. Dommage, naam. Ahmed ibn Salih rapporte, il a dit, Shafi'i m'a dit, vous connaissez tous l'imam Shafi'i, Shafi'i m'a dit, consacre-toi à Allah avant d'être mis en avant. Car lorsque tu seras mis en avant, tu ne pourras plus te vouer à Allah. Consacre-toi à Allah avant que tu deviennes responsable. Car quand tu deviendras responsable, si jamais tu le deviens, tu ne pourras plus te vouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim ibn Mahdi rahimahullah rapporte, il a dit, j'ai entendu Hafs ibn Riyath, le grand juge d'Orient, dire à un homme qui interrogeait à propos de la fonction de juge. Il lui a dit, tu veux sûrement devenir juge. Ensuite, il lui a répondu, écoute, il lui a dit, rentrer ses doigts dans ses yeux pour les extraire et les jeter est mieux que de devenir juge. Naam, apprends ceci. Rentrer ses doigts dans ses yeux pour les extraire et les jeter, c'est mieux que de devenir juge. Et Sofiane rahimahullah rapporte de l'Ahnaf rahimahullah. Il a dit, Omar Mukhtab nous a dit, écoutez bien ce qu'a dit Omar, instruisez-vous dans la religion avant de gouverner. Instruisez-vous dans la religion avant de gouverner. Sofiane dit alors, car celui qui s'instruit dans la religion ne cherche pas à gouverner. Allahu Akbar. Vous avez remarqué ce qu'a dit Omar? Il a dit, avant de gouverner, instruisez-vous d'abord dans la religion. Et l'autre a compris. Il lui a dit, Omar, ça veut dire qu'il a voulu dire, toute personne qui s'instruit dans la religion n'est pas folle pour aller chercher à gouverner. Ça veut dire que toute personne qui a de la religion est instruite ne veut pas gouverner. Ce sont seulement ceux qui sont djuhal qui vont quoi? Qui vont chercher cette responsabilité. Et pour terminer, Bakr ibn Abdillah rapporte qu'on voulut lui confier le poste de grand juge. Écoutez ce qu'il a répondu. Au lieu d'être content et de dire Alhamdoulilah ou ceci, peut-être qu'il va dire que c'est même une preuve qu'Allah Ta'ala même. Allah Ta'ala même, on m'a confié cette grande responsabilité. Mais pas du tout. Regardez ce qu'il a dit. Alors, il a dit à la personne qui a voulu lui confier cela. Il lui a dit, Je vais t'informer à mon sujet. Je n'ai aucune science concernant l'exercice de la justice. Je n'ai aucune science concernant l'exercice de la justice. Si je dis vrai, ce que je dis est vrai, vrai, il ne convient pas que tu me nommes. Si c'est vrai ce que je dis, je suis un djahed, je connais rien en la justice. Donc, il ne convient pas que tu me nommes. Et si je mens, je suis un savant et je te dis que je connais rien à la justice. Et si je mens, il ne convient pas que tu me nommes, c'est-à-dire, il ne convient pas que tu nommes un menteur. Allahu Akbar, regardez la sagesse, subhanallah al-adhim. Je ne connais rien en la justice. Je ne connais rien en la justice. Maintenant, si je dis vrai, il ne convient pas que tu nommes, yani un djahl.
Et si je mens, je suis en train de mentir, il n'y a pas que tu nommes un menteur. Allahu Akbar, comment les gens fuyaient la responsabilité et surtout, celle de devenir juge n'âme, et de commander entre les gens, juger entre les gens. Comme vous voyez, les salafs s'enfuyaient de cette chose et ne l'acceptaient jamais, sauf vraiment s'ils sont dans la contrainte. Et tout cela, pourquoi aussi? Tout cela, écoutez ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette chose, dans le fait de yani, juger entre les gens. Écoutez ce qu'il a dit sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit: Man ju'ila qadiyan bayna an-nas. Quiconque a été, on lui a confié d'être juge entre les gens. Faqad dhubiha bighayri sikkin. Alors il a été égorgé sans couteau. Subhanallah. Cheikh Al-Albani a dit sahih. Regarde le numéro 6190 dans Sahih Al-Jama. Qu'a dit le prophète alayhi sallam? Il a dit: toute personne qui va juger entre les gens et accepter la responsabilité d'être juge entre les gens, cette personne a été quoi? A été égorgée sans couteau. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelqu'un qu'on égorge, par là, c'est pas quelque chose de bien. On égorge un mouton, on n'égorge pas une personne. Donc, celui qui devient juge, on lui a fait deux choses. La première, on l'a égorgé. Quand on dit d'une personne, miskine, cette personne, elle est morte égorgée. Donc, c'est vraiment quelque chose pas de bien. Et deuxième chose, égorgé sans couteau. Car si on égorge quelqu'un avec un couteau, au moins on dit Alhamdoulilah ala kulli hal, qaddar Allah ma sha fa'al, on l'a égorgé, il est mort, le couteau ne fait pas mal. Comparé à quelqu'un qu'on égorge sans couteau. On va l'égorger sans couteau. Ça veut dire que c'est vraiment, 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 vraiment quoi? Yani, lamentable et vraiment douloureux pour lui d'égorger quelqu'un sans couteau. Naam, si au moins il y avait un couteau et le couteau était yani, aiguisé, mashallah, ça a plus ou moins mal. Mais sans couteau, d'être égorgé, c'est vraiment difficile. C'est yani, que le prophète sallam veut vraiment nous faire peur en général de la responsabilité. En particulier de celle de devenir juge, l'âme de devenir juge. Donc, puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de la responsabilité et surtout d'être juge. Je vous dis, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. On va se rencontrer, inshallah ta'ala, quand vous êtes prêts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Première question du site, question d'un frère. Salam alaikum. Qu'Allah augmente votre science, cher. Ma question est au sujet de la zakat. Est-ce que l'on doit déduire ses dettes de l'argent pour le nissab? Exemple, quelqu'un qui a 4 000 euros et doit 2 500 à son père. Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khairan. Et cher, réécrivez-moi, car le PV là, vous me l'avez refermé. Réécrivez-moi juste derrière, Inch'Allah. Fadal, cher. Chauve musulman, essaie, Inch'Allah ta'ala, tant que tu peux, toujours, quand c'est la première question, de la choisir qui a rapport avec le cours. Car pour ne pas casser le rythme, hein, on parlait du juge, de l'akhor, il n'y en a plus, non? Aucune, subhanallah l'adhim. C'est drôle, là. Subhanallah l'adhim. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont entendu et ça n'a rien suscité en eux qui ait rapport avec ça. Mais allez, je disons, on va penser du bien en disant que parce que yani, personne d'eux n'est juge ni n'a l'intention de devenir juge. Mais ils pouvaient par exemple poser la question: qu'en est-il pour, par exemple, pour le fait que quand on nous demande de juger dans la famille, pour un couple qui a un problème, quelqu'un nous demande de juger entre le mari et l'épouse. Est-ce que ça rentre dans le hadith? Ça rentre pas. Et comme ça. Ma'alich, El Mohim. Pour la première question, il a dit au sujet de la zakat: est-ce que l'on doit déduire ses dettes de l'argent pour le nisab? Exemple, quelqu'un a 4 000 et doit 2 500 à son père. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.
Je dis à cette personne, la plupart des savants, la plupart, disent que on commence par déduire les dettes. On commence par déduire les dettes et ensuite, ce qui reste, on voit si on a le nisab, on donne la zakat. Et Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah et certains d'autres avec eux, dont je ne me rappelle pas le nom, je pense qu'il a dit aussi Cheikh Al-Islam. Je pense, je ne suis pas très sûr. Mais Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est sûr. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit non. Il a dit, on déduit pas quoi? On déduit pas, yani, l'argent des dettes. Mais de tout cet argent, on sort zakat. Et ensuite, yani, on va payer les dettes. Car celui qui veut payer les dettes, qu'il les paye avant quoi? Qu'il les paye avant que, yani, ne tourne l'année. Ou bien qu'il essaie de donner ses dettes. Avant quoi? Avant d'avoir le Nissa, par exemple. Et maintenant, quel est l'avis qu'il faut prendre des deux? Allah subhanahu wa ta'ala alam. Allah ta'ala alam. Tfadl. Question suivante. Question d'une sœur sur le salon. Salam alaikum, cher. Est-ce vrai que dans la ruqya, il y a divergence sur le fait de demander l'aide des djinns musulmans pendant la ruqya et que Ibn Taymiyyah l'avait fait pendant la ruqya, la personne qui sent un membre lourd? Essayez de bien écrire, Inch'Allah. Et pendant la personne qui sent un membre lourd, est-ce le mauvais œil de cette commande-là, Khayram? Fadal Sheikh. Alaykoum salam, naam. Il y a divergence dans le fait de demander de l'aide des djinns. S'ils sont musulmans, Cheikh l'Islam, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, a permis cela. Il a dit s'ils sont musulmans et que tu demandes quelque chose qui ne se contredit pas avec l'islam. Il a dit c'est permis et il a cité, Cheikh l'Islam, a cité dans Majmou' al-Fatawa que Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu, une fois, a eu besoin de quelque chose et il a demandé à un djinn. Un djinn musulman lui a demandé, yani, qu'est-ce qui se passe dans, par exemple, dans cette ville, ou bien peux-tu me rapporter des nouvelles ou quelque chose comme ça. C'est Cheikh Islam qui a cité ça de Omar ibn Khattab radiallahu ta'ala anhu. Et d'autres savants disent qu'il n'est pas permis, comme Cheikh Al-Albani rahimahullah. Il dit, si on va, et c'est vrai, si on va ouvrir cette porte, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que on va rentrer dans le shirk. Il y a toutes les personnes, toutes les vieilles, toutes les femmes, toutes, qui vont à chaque fois y aller dire, oh toi le djinn, est-ce que tu connais ceci, est-ce que tu connais cela, où est ceci, où est cela, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela, tu sais pas où il se trouve, et comme ça. Et ensuite, ils vont finir peut-être par l'adorer, et lui demander des choses que dans cet interdit, que c'est interdit de demander. Allah subhanahu wa ta'ala, et je pense qu'il vaut mieux prendre de cet avis qui dit que yani, on leur demande pas de l'aide bidna ta'ala, car comme vous savez, le djinn, déjà le fait de posséder une personne, il est devenu pervers en faisant cela. N'a pas le droit de posséder une personne. Donc il est devenu pervers. Et un pervers, toi, comment tu le, comment qu'on dit, c'est-à-dire tu le crois. Quand tu lui demandes une chose, il te répond. Comment tu peux pas le croire? Car le verset dit, s'il y a un pervers qui vient avec une nouvelle, il faut quoi? Il faut y aller. Je cherche le verbe. Il faut vérifier. Il faut vérifier. Non. Enfin, la personne dit, si une personne sent un membre lourd, est-ce le mauvais œil? C'est possible. Non, c'est possible. Donc, c'est possible que Yanni, elle masse par exemple ce membre, son bras ou là, elle le masse par exemple avec de l'huile d'olive, surtout si elle est dedans par exemple le Fatiha. Wallahu ta'ala alam. Tfadl. Question suivante, question d'une sœur sur le site. Assalamu alaikum, cher. Hayakum Allah. Pouvez-vous répéter qui a dit rentrer ses doigts dans ses yeux pour les retirer et les jeter est meilleur que d'être juge? Est-ce Ibn Omar, radiallahu anhu, qui a dit introduisez-vous avant de gouverner, enfin instruisez-vous avant de gouverner, car celui qui s'instruit
ne voudra pas gouverner. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous accorde le paradis et vous préserve de l'enfer, ainsi qu'à tous les musulmans. Amin. Tfadashir. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Donc, qui a dit que rentrer ses doigts pour les retirer et les jeter, mais d'être juge? On va voir qui c'est, une seconde. Une seconde. Donc, je lis. Ibrahim ibn Mahdi rapporte. Ibrahim ibn Mahdi rapporte. J'ai entendu Hafs ibn Riyath, le grand juge d'Orient. Hafs ibn Riyath, le grand juge d'Orient, dire à un homme qui est interrogé à propos de la fonction de juge: tu veux sûrement devenir juge? Alors sache que rentrer ses doigts dans ses yeux pour les extraire et les jeter est mieux que de devenir juge. Donc c'est qui? C'est Hafs ibn Riyath, le grand juge d'Orient. Ensuite, elle a dit, qui a dit? Est-ce bien Omar radiallahu ta'ala anhu qui a dit: instruisez-vous avant de gouverner, car celui qui s'instruit ne voudra pas gouverner. On va vérifier, inshallah ta'ala. Je pense que c'est lui. On va vérifier. Naam, c'est lui. Sofiane, rahimahullah, rapport de Al-Ahnaf. Il a dit, Omar nous a dit, Omar al-Khattab nous a dit: instruisez-vous dans la religion avant de gouverner. Ensuite, Sofiane a dit, Sofiane, c'est-à-dire, a expliqué ce qu'il a voulu dire. Il a dit, car celui qui s'instruit dans la religion ne cherche pas à gouverner. Car celui qui s'instruit dans la religion ne cherche pas à gouverner. Donc je résume pour bien vous faire comprendre. C'est pas Omar qui a dit en fait. C'est pas lui en fait qui a dit: instruisez-vous avant de gouverner, car celui qui ne s'instruit ne voudra pas gouverner. Mais il a dit seulement: instruisez-vous dans la religion avant de gouverner. Voilà ce qu'a dit Omar. Et Sofiane a expliqué, il a dit, il voulait dire que celui qui s'instruit dans la religion ne cherche pas à gouverner. Wallahu ta'ala alam. Question suivante, question d'un frère sur le salon. Salam alaikum, cher. Ma question est la suivante. Le jour du vendredi, des frères récitent en groupe, récitent en groupe sur la telkaf très fort, ce qui me gêne énormément pour prier des nafila. Ensuite, l'imam arrive et fait un sermon sur la chaise. Est-il possible de mettre quelque chose dans les oreilles pour pouvoir rester concentré en prière et continuer à prier malgré que l'imam fait un dars ou m'asseoir et faire du zikr? Barakallahu fikoum. Tfadal cher. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Pour les gens, ou les frères qui récitent en groupe, sortent le kef, est très fort, bien sûr, cela en fait une bida. Le Coran ne se lit pas comme ça, en s'asseyant et en faisant une ronde comme ça, et on lit tous de la même voix et on lit fort. Naam. Donc s'ils lisent de la même voix, yani tous à la fois, ils ont fait une bida. Et maintenant, s'ils lisent fort et très fort, ils auront aussi des péchés. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith qui se trouve dans le Mawta de l'imam Malik, rahimahullah, hadith authentique, il a dit: La yarfa'u ba'dukum ala ba'din sawtahu bil Qur'an. La tarfa'u aswatakum ba'dukum ala ba'd bil Qur'an. Il a dit, il a interdit, il a dit: ne levez pas, ne haussez pas le ton, vos voix, yani les uns sur les autres en lisant le Coran. Donc quand quelqu'un lit le Coran dans la mosquée, s'il le lit seul, pas en groupe c'est bida, s'il le lit seul, il n'a pas le droit de lire à voix haute pour gêner les autres. Il n'a pas le droit de lire à voix haute pour gêner les autres. Donc cette personne dit, ensuite, l'imam vient et fait un serment sur la chaise. Sur la chaise. Est-il possible de mettre quelque chose dans les oreilles pour pouvoir rester concentré et prier et continuer à prier malgré que l'imam fait un dars ou m'asseoir et faire du dhikr? Naam, je pense, wallahu ta'ala alam, que c'est difficile de prier
Quelqu'un qui fait un dars en même temps qu'il y a le micro à l'intérieur de la mosquée, etc. Il vaut mieux yani, s'asseoir et faire du dhikr. Non, il vaut mieux s'asseoir et faire du dhikr, idhnillah subhanahu wa ta'ala. Sauf si tu peux prier et rester concentré. Non, mais je te conseille pas de mettre comme ça des choses dans tes oreilles. Non, car ça risque yani, de faire des problèmes, de faire des machaques, et les gens vont parler de toi, et qu'est-ce que c'est ça, et qu'est-ce qu'il a inventé, et qu'est-ce qu'il fait, etc. Et les salafs ne l'ont pas fait. Les salafs ont fait ça quand ils entendaient des musiques. Comme a fait Abdullah ibn Omar une fois, il est passé devant quelqu'un qui jouait de la flûte, il a mis ses doigts dans ses oreilles. Il a dit, c'est comme ça que j'ai vu le prophète alayhi faire une fois quand quelqu'un. Il y a année quand il est passé devant quelqu'un qui jouait de la flûte. Hadith authentique. Wallahu ta'ala alam. Tfadlal. Question d'un frère sur le site. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muawiya faisait-il partie des khulafat al-Rashidin et comment sait-on qu'un khalifa fait partie des khulafat al-Rashidin? Barakallahu fikoum wa jazakumullahu khairan. Tfadal cher. Naam, Muawiya, radiyallahu ta'ala anhu. Radiyallahu, naam. Car la personne ici, je crois qu'elle n'a pas dit radiyallahu ta'ala anhu. Naam. Donc c'est un sahabi, il faut dire radiyallahu ta'ala anhu. C'est, comme vous savez, l'un des cinq qui écrivait le Coran. Il y a une présence du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était l'un des scribes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est l'oncle des croyants, sa fille, Umm Habiba, comme vous savez, était mariée avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et comme sœur, c'est l'épouse du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc sa sœur, c'est notre mère, donc lui, c'est notre oncle, l'oncle des prophètes, l'oncle des croyants, radiyallahu ta'ala anhu. C'est le sixième calife bien guidé. Il fait partie des Khulafa Rashidin, et c'est le sixième Khalifa bien guidé. Et Khalifa bien guidé, c'est tout croyant qui est commandeur des croyants et qui suit le Coran et la Sunna. Qui suit le Coran et la Sunna et qui commande avec la charia. On dit de lui, c'est un Khalifa. Et les musulmans, ou bien les savants des musulmans, ou bien tous les musulmans, ce sont, disons, attendez, je cherche le mot, ce sont, yani, istalahu, bon, istalahu, comment on dit ça en français, c'est-à-dire, disons, ils se sont mis d'accord pour dire que on appelle quelqu'un Khalifa Rachid, s'il a fait partie pendant les 3 décennies, les 3 siècles où le prophète al-Islam a fait la tazkiyya, où le prophète al-Islam a fait la tazkiyya. Donc je répète, Muawiya radiallahu ta'ala anhu fait partie des Khulafa Rashidin et c'est le sixième bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Question d'une sœur sur le salon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous pouvez-vous nous parler des deux anges, Harout et Marout, barakallahu fikoum? Tfadal cher. Jusqu'à de nos jours, je n'ai rien trouvé d'authentique en ce qui concerne ces deux anges. En ce qui concerne ces deux anges, à part que des généralités. Il n'y a pas des hadiths authentiques. Des généralités, expliquant le verset qui dit que deux anges, Zama, yani, ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de yani, descendre pour y aller appliquer, etc., car les êtres humains faisaient beaucoup de fautes, etc. Et quand ils sont descendus, ils ont fait beaucoup de fautes, etc. Et que Allah subhanahu wa ta'ala les a punis, etc. Mais je dis, il n'y a aucun hadith comme ça, il y a des clairs en ce sens. C'est pour ça que, inshallah ta'ala, dans le prochain cours, j'essaierai de faire de plus amples recherches pour vous rapporter, inshallah ta'ala, ce qu'ont dit les savants sur ces deux anges, bidna ta'ala, si j'arrive à trouver quelque chose, yani, de plus détaillé, bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Pour le prochain cours, inshallah ta'ala. Tfadlal.
question d'une sœur sur le site. Salam alaikum, cher Hana. Je prends des cours d'arabe avec une enseignante égyptienne sur Internet. C'est une très bonne enseignante, mashallah. En quelques semaines, elle m'a beaucoup fait progresser. J'aimerais la remercier pour sa patience. Pourriez-vous m'écrire une doua en arabe pour que je lui dise qu'Allah la récompense pour sa patience et sa gentillesse? Barakallahu fikoum. واسمك ابن محمد الجزائري، اسك تو اي لا؟ الحمد لله. شوف بارك الله فيك، نوت يعني كونت يا دي كيستيون كون مو بوز اي كو جو دي دون بروشان كور جو في ريبوند، il faut noter la question pour ça nous arrive pas passer. يعني on m'a posé trois questions. Et après, je suis resté 2 ou 3 jours à chercher quelles sont les deux questions. Une, je l'ai retenue, et les deux autres, je les ai oubliées. Jazakallah khair de noter yani, que yani, la première question d'aujourd'hui, c'est pour en ce qui concerne les deux anges. Tayyib, Muslim, pour celle qui vient de poser la question maintenant, pouvez-vous m'écrire une doua en arabe pour que je lui dise? C'est-à-dire lui écrire la doua où? Ici dans le salon ou bien comment? Tafadhal. Naam, cher, soit sur le salon ou alors en PV pour lui faire parvenir, Inch'Allah. On peut la retrouver facilement, Inch'Allah, la sœur. C'est pas un souci. C'est comme vous préférez, cher. Soit sur le salon, soit on la fait parvenir en PV. Donc elle peut lui écrire cette phrase. Barakallahu fiki. Barakallahu fiki. على كل هذه الجنود الجهود عفوا بارك الله فيك على كل هذه الجنود الجهود المضنية وجزاك الله عنا خيرا وجعل الله ذلك في ميزان الحسنات يوم القيامة بارك الله فيك على كل هذه الجهود المضنية وجزاك الله عنا خيرا وجعل الله ذلك في ميزان الحسنات يوم القيامة elle peut donc faire copier-coller إن شاء الله تعالى إلى lui envoyer. تفضل إن شاء الله تعالى pour l'autre question. تفضل pour la transmission de Assam ou quelque chose comme ça. تفضل. نعم, donc la sœur qui vient de poser cette question, qui a demandé la doua, elle a fait également un petit rappel en indiquant qu'il y a un séminaire cette semaine à la mosquée de Saint-Étienne, diffusé sur Paltalk tous les jours après chaque salat du 25 au 30 décembre. Les cours sont dispensés donc par le cheikh qui est cité, qui est un élève qui a étudié avec Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah. Donc question suivante, cheikh. Question d'un frère sur le salon. Assalamu alaikum. Lorsque j'arrive à la prière en commun, en retard, et que l'imam en est à la deuxième rakat, pour moi c'est la première. Lui va faire le tashahhud et je vais le suivre, mais à la fin de ma prière, à Afwan, j'aurais fait 3 tashahhud. Est-ce que ma prière est valable? Barakallahu fikoum, cher, et merci aux admins. Tfadal, cher. Wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Naam, c'est comme ça que tu dois faire. Justement, si tu ne fais pas comme ça, ta prière n'est pas valable. Il faudrait que tu fasses 3 tashahhud dans cette salat pour qu'elle soit valable. Naam. Car tu as raté une raka. Tu vas le trouver dans la deuxième. Donc tu t'assois avec lui pour faire yani, le premier tashahhud. Le premier tashahhud. Lui va faire le tashahhud. Et ensuite, tu vas te lever. Tu vas faire le deuxième. Le deuxième. Avec lui aussi. Si c'est Salat al-Maghrib. Ensuite, tu vas faire le troisième. Naam. Bi-idhnillahi ta'ala. Avec lui. Avec lui. Naam. Maintenant, si c'est Salat l'Aïcha, si c'est Salat l'Aïcha, tu le prends, tu arrives à la deuxième rak'at, donc tu fais avec lui le Teshahoud. Ensuite, vous levez, vous allez faire 2 rak'at. Ensuite, faire le Teshahoud, le deuxième. Ensuite, lui il dit Salam alaikum. Et toi, tu te lèves, tu fais encore le troisième Teshahoud bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Question suivante, question d'une sœur sur le site. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La question concerne un frère. Hayakumullah. Cheikh, qu'Allah Ta'ala vous accorde le Firdaus
ainsi qu'aux admins. Amin. Ma question est médicale et très importante. Je suis un homme de 32 ans avec un poids trop important, pratiquement 140 kilos. Allahumma barak. Mon médecin m'a dit que je risque de graves maladies pouvant entraîner la mort. Sachant que j'ai fait beaucoup de sabab pour perdre du poids, toutes sortes de régimes, perte et reprise du poids, mon médecin m'a fortement conseillé une opération très efficace qui consiste à supprimer la taille de l'estomac de deux tiers, qui s'appelle sleeve gastrectomie. Ma question est, m'est-il permis de faire cette opération? Jazakumullah khayran. Wallahi hafizakumullah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous récompense grandement pour tout ce que vous faites pour nous. Tfadal cher. Incha'Allah ta'ala, il n'y a aucun mal à faire cette opération. Car ça rentre dans quoi? Dans yani le fait, ce n'est pas pour se parer, ni pour s'embellir, mais c'est pour quoi? C'est pour yani se soigner. C'est pour se soigner. Et si quelqu'un va dire comment yani, on va enlever quelque chose qu'Allah ta'ala nous a donné, comme yani, un intestin, ou bien le rétrécir, ou bien. Ça risque pas de rentrer dans le fait de changer la création d'Allah. On dit, mais cette chose que Allah subhanahu wa ta'ala t'a donnée, maintenant, cette chose, par exemple, yani, fait des problèmes. C'est comme si, par exemple, quelqu'un avait un rein qui, par exemple, a été infecté, qui donne maintenant, qui contient des microbes, etc. Et si, par exemple, on laisse ce rein, on risque quoi? On risque que il va infecter l'autre rein. Et ensuite, ça va être très grave. Donc, ils sont obligés de l'enlever. C'est comme un peu quelqu'un qui a, Allah subhanahu wa ta'ala, afia la gangrène. Celui-là, on lui coupe son pied. On ne va pas dire qu'on va changer la création d'Allah. On le laisse le pied. Mais on va dire que Allah ta'ala et son prophète Aslam nous ont demandé de nous soigner. Celui-là, il faut lui couper sa jambe pour que ça ne s'aggrave pas et que ça n'empire pas. Non. والله سبحانه وتعالى أعلم تفضل Question d'un frère sur le salon. Salam alaikum, cher. Hafizakum Allah. La dernière fois, une sœur vous a posé une question concernant son envie de travailler contre l'avis de son mari. Vous avez dit que le travail dans la mixité était haram et que l'argent qu'elle gagnerait serait haram et sans baraka. Cher, était-ce une réponse spécifique pour le travail des femmes ou était-ce une réponse générale pour les hommes aussi? Car il y a beaucoup de travail en France et ailleurs aussi qui se féminisent et donc il y a de la mixité. Est-ce que l'argent gagné par un homme dans un travail où il y a de la mixité est haram? Si oui, doit-on démissionner d'un métier pareil? Jazakumullah khairan. Tfadal cher. Wa alaykoum salam wa barakatuh. Ce n'est pas spécifique aux femmes. Ça concerne aussi les hommes. C'est-à-dire que les hommes, normalement, ils ne travaillent pas là où il y a des femmes. C'est ça la règle. Reste que des fois, il n'y a pas de solution. Vous comprenez? Reste que des fois, il n'y a pas de solution. Là où il va, il y a des femmes. Dans ce cas, l'homme sera entre deux feux. Ou bien ne pas, ou bien travailler avec la mixité, ou bien ne pas travailler du tout. Et s'il ne travaille pas du tout, ce n'est pas une solution. S'il n'y a pas, il n'y a pas d'autre travail, tout est par exemple mixte. Dans ce cas, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, c'est la femme qui a tort, pas l'homme. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à la femme de rester à la maison. Waqarna fi buyutikunna. Et elle, maintenant, c'est elle qui est venue là, yani, me prendre ma place. Et c'est elle qui est venue se coller à moi ici dans le travail. Normalement, c'est elle qui serait restée chez elle dans la maison. C'est moi qui travaille et c'est moi qui travaille à la place de ma femme. Ma femme, elle reste, mashallah, gâtée dans sa maison avec ses enfants, à s'occuper de son ménage et de ses enfants. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue à demander de rester dans sa maison. C'est pas parce que il veut yani l'avilir, ni yani la rendre, lui enlever ses droits. Non, au contraire. Il veut, yani, la gâter. Il lui a dit, toi, tu restes dans la maison comme une reine. Et c'est l'homme qui dort, travaille, sue et peine, et te ramène ce qu'il faut et te le donne. Masha'Allah. El-Muhim.
Donc, en général, un homme aussi ne doit pas travailler là où c'est mixte. C'est comme la femme. Mais des fois, comme j'ai dit, la mixité est quoi? Est imposée. Des fois, la mixité est imposée et il n'y a pas d'autre solution. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Question d'une sœur sur le site. Salam alaikum wa rahmatullah ya cher. Qu'Allah vous préserve. Barakallahu fikoum à vous et vos admins pour le temps que vous nous consacrez. J'avais une question. Je souhaite absolument faire l'hijra bi'innillah le plus vite possible. Je veux partir d'ici, mais ma seule clé pour partir de chez mes parents, c'est de me marier. Hélas, mes parents sont très tribalistes. Je suis mauritanienne. Ils ne veulent que d'un homme qui soit du même village, de la même ethnie, même langue, même castre, et si possible, même famille, entre parenthèses, ou cousin. Je fais les causes que chercher en fonction de leur choix, mais je ne trouve pas de personnes ayant le niveau de piété que je recherche, étant donné que leurs critères sont très restreints. Je veux absolument quitter cette terre de Koufa, car en plus de cela, je suis incomprise dans ma famille du fait de mon attachement à la Sunna. Que dois-je faire? Désobéir à mes parents en me mariant avec quelqu'un de pieux, mais qui ne correspond pas forcément aux critères de mes parents, ou bien continuer à chercher un mari en fonction de leurs critères pour leur obéir, même si cette personne ne me paraît pas pieuse, car pour eux, la piété se résume par la salat et le ramadan. De plus, j'ai l'impression que la Oumma n'est pas solidaire, car quand on demande aux sœurs si elles connaissent quelqu'un pour un éventuel mariage, elles ne prennent pas cette demande au sérieux, c'est-à-dire qu'elles ne prêtent pas attention, car ça ne les concerne pas. Jazakumullah khairan, et je vous prie de m'excuser pour ce long roman. Tfadal cher. En fait, faut dire que vivre dans une situation pareille avec des parents pareils, c'est une fitna. Et il y a beaucoup de parents, malheureusement, qui sont comme ça. Et qui ne veulent le prétendant que s'il est yani, de la même famille, de la même ville, de la même couleur de peau, de la même langue, Tout ça, bien sûr, il n'y a pas en islam. Tout ça, il n'y a pas en islam. En islam. Mais moi, je conseille Allah subhanahu wa ta'ala à la personne de, inshallah ta'ala, patienter encore. De patienter encore en faisant des doigts. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire une solution alors là où elle ne s'y attendait pas. Ensuite, il y a autre chose. Des fois, la personne, en se mariant avec elle, même si elle possède le minimum, disons, de conditions, le minimum, il se peut que Allah subhanahu wa ta'ala fasse d'elle un bon musulman et quelqu'un qui rentre dans le minhaj, quelqu'un qui apprend la science, c'est comme ça. Non. Car quand la personne, par exemple, si cet homme n'arrive par exemple avec cette femme, il trouve qu'elle a des qualités, etc. Comment... Ensuite, il la suit. Non. Il la suit quand elle lui dit que je voudrais ceci, je voudrais cela. Je voudrais religion, je voudrais ceci. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient tous les cœurs entre ses doigts de sa belle main. Donc il peut, inshallah ta'ala, yani faire de lui, yani le changer complètement et faire de lui, inshallah, quelqu'un de mashallah. C'est pour cela, je dis pour terminer, ce n'est pas obligé, je dis, je redis, ce n'est pas obligé pour se marier que les doigts, mashallah, par exemple, dans la science. Non, ce n'est pas une obligation. Sinon, ne se marie alors que ceux qui demandent. Et celui qui ne demande pas la science, celui qui doit travailler, qui est mécanicien, qui est boulanger, qui est... Il n'a pas beaucoup de temps pour demander la science. Parce qu'il ne va pas se marier. Bien au contraire, je vais dire quelque chose qui peut-être, va même faire un peu peur. Va même faire un peu peur. Je dis ça par expérience. Je dis ça par expérience. Quand les deux dans le couple, non, quand les deux sont des talibouines et yani, cherchent vraiment la science, etc., des fois ça devient un problème. Des fois ça devient un problème en ce sens que chacun veut montrer à l'autre que j'ai mon avis personnel. J'ai mon avis de tel et tel savant. Je suis pas obligé de quoi? Ma vie. Et je suis pas obligé de, par conséquent, de t'obéir à tes ordres. Là, toi, tu as dit Cheikh Ibn Uthaymine,
Elle lui dit, moi je dis, Cheikh Al-Albani a dit. Et alors, Cheikh Al-Albani n'est pas un savant. Et comme ça, et il se peut que les problèmes commencent. C'est pour ça que j'ai toujours dit, même si ton mari, par exemple, n'est pas talibouine, l'essentiel c'est qu'il te laisse science. Tu peux pas le forcer pour qu'il devienne talibouine. Tu peux pas tous devenir talibouine. L'essentiel, il te laisse aller au cours, il te laisse apprendre, il te laisse. Et le contraire, des fois, toi, tu es mon frère, tu es machallah, talibouine, mais etc. Et elle n'est pas dans la langue, machallah, c'est pas une obligation. Elle est obligée. Elle est occupée, les enfants, par les travaux ménagers, par ceci, par cela. Donc, c'est pas toujours une condition qu'il faut que les deux en soient talibouine. Non, ce n'est pas une condition. Non. Donc, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala d'aider cette sœur et de lui faire une solution incessamment. Une solution qui yani, la ravirait bi-idhni ta'ala. Ensuite, elle a terminé en disant que c'est dommage que yani, beaucoup de sœurs, yani, d'après elle, que, yani, qui ne donnent pas beaucoup d'importance quand on leur demande si elles connaissent quelqu'un yani, de mariable. Et c'est dommage pourquoi? Car quand tu aides quelqu'un à se marier, yani, vraiment, vraiment, tu as de grandes récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as de grandes récompenses chez Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as aidé à fonder une famille. Et, subhanallah al-azim, tous les enfants qu'ils auront, etc., tu as été la cause, bi-idhnillah ta'ala. La cause. Même quand ils vont avoir des enfants, ils vont prier, ils vont lire le Coran, ils vont. Tu recevras, inshallah ta'ala, une partie de quoi? Une partie de hasanat. Pour avoir été la cause de les unir, bi-idhnillah ta'ala. Et comme a dit le prophète, il a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est plus utile aux gens. Plus tu es utile aux gens, le meilleur. C'est pour ça que le prophète a dit, si je vais marcher avec mon frère, il a dit comme ça, que je marche avec mon frère dans une de ses affaires, jusqu'à ce que il l'ait. Jusqu'à ce qu'il ait son affaire, il a dit, c'est mieux pour moi que de rentrer dans la retraite, la retraite pieuse pendant un mois dans ma mosquée. Subhanallah al-Azim. Hadith rapporté par Muslim. Il a dit, que j'aille avec mon frère. Ça marche aussi, que j'aille avec ma soeur. C'est une soeur, sa soeur. Que tu ailles avec ta sœur pour l'aider, pour faire qu'elle fasse quelque chose qu'elle cherchait, qu'elle voulait, quelque chose qui n'est pas haram, c'est mieux que de rester un mois dans la mosquée i'tikaf, dans la retraite pieuse, rapportée par Muslim. Qu'en est-il maintenant? Tu aides ta sœur à se marier. L'âme. Tu la proposes à ton frère, à ton cousin, à ton oncle. Masha'Allah, masha'Allah. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider pour qu'on soit des clés de bien. Comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Touba li mafatih al-khair, ou quelque chose comme ça. Mafatih al-khair, le hadith à mafatih al-khair. J'ai oublié comment il a dit Mafatih al-khair. Il a dit puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire yani, de nous qu'on soit des clés de bien. Il a dit il y a des gens qui sont des clés de bien, et il y a des gens qui sont des clés de mal. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala yani, donner sa miséricorde à ceux qui sont des clés de bien. Naam, tfadlal. Question suivante, question d'un frère sur le salon. Salam alaykoum wa rahmatullah, cher. Dans le cas où l'on doit juger entre un frère fillah, donc musulman, et un mécréant, sachant que dans ce contexte, c'est le musulman qui est en tort, comment doit-on se comporter, protéger son frère fillah ou témoigner de manière véridique en faveur du mécréant, sachant que si je dis la vérité, le musulman risque des conséquences lourdes. Allahu ta'ala a'lam. Tfadal cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah. Si on te demande de juger entre un musulman et un mécréant, tu es obligé, quoi? Vérité. Et de témoigner en la vérité, même si ça comporte de lourdes conséquences pour le musulman. Naam. Dans ce cas, si tu as peur, ou là tu ne peux pas juger, ou là tu n'es pas sûr
c'est la vraie réponse, il vaut mieux s'abstenir. Mais si maintenant tu acceptes de juger, tu n'as plus que la solution d'être équitable et juste et de témoigner en vérité et de dire, Naam, c'est celui-là, le mécréant, qui a raison. Et ce musulman-là qui lui a tiré une balle dans son genou. Naam, j'ai vu le musulman qui lui a tiré une balle dans son genou et comme ça. Et donc l'autre, il va risquer quelque chose, il y a la prison, etc. Naam, donc si tu juges, juger de façon équitable et dire la vérité. Naam, maintenant, si c'est quelqu'un qui est en guerre avec nous, ça c'est autre chose. Naam. Mais si dans des cas, un cas normal comme ça, on m'appelle à juger entre un musulman et un kafir, je dois la vérité, même si ça va faire mal aux musulmans. Naam, tfadlal. Quand on fait des invocations tirées du Coran, pouvons-nous les rendre au féminin si on est une femme ou doit-on les laisser tels qu'ils sont dans le verset? Par exemple, le verset qui dit Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Est-ce que je peux dire Rabbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqira? Faqira, parce que je suis une femme. De même que l'invocation pour protéger les enfants, comme disait le prophète à propos de Hassan Hussein, Ou'idukuma bi kalimatillahi tamma min kulli shaytan wa hamma min kulli 'ayn lama. Or moi j'ai une fille en bas âge. Dois-je dire Ou'iduki au lieu de Ou'idukuma? Je réponds inshallah ta'ala pour le Coran, le verset qu'elle a cité du Coran. Si elle est en train de lire le Coran, bien sûr qu'elle ne doit rien changer. Mais si elle dit comme ça, comme des doigts, elle. Non, car c'est maintenant faire des choses du Coran et elle ne les récite pas en tant que Coran, mais en tant que doigts. C'est pour ça que, par exemple, quand on est dans la prosternation, si par exemple, de lire. Mais si tu lis des choses, des doigts qui sont dans le Coran, c'est permis. Pourquoi? Car maintenant, tu n'es plus en train de lire le Coran. Tu es en train de faire des invocations. Dans le soujoud, par exemple, je peux dire Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhab an-nar. Alors que c'est un verset. Et le hadith a interdit de lire le Coran dans le soujoud. Mais là, je ne suis pas en train de lire un verset, mais je suis en train de faire des doigts avec un verset. La même chose ici pour sa petite fille. Quand elle lui fait des doigts, elle lui dit U'iduki, toi. Naamti. Et le prophète, la preuve, il a dit Ouidoukouma, car ils étaient deux, Hassan et Hussein. S'ils étaient trois, il aurait dit Ouidoukoum, kalimatillahi tamma. Et comme ça. Naam. C'est pour ça que le hadith de, par exemple, اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك à la fin du hadith. Cheikh Ben Baz a dit, rahimallah, il a dit que si c'est une femme, elle dit pas Allahumma inni amatuk, mais elle dit Allahumma inni amatuk bnu amatik. Inni amatuk bnu amatik. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala alam, tafadhal. Amatuk bintu amatik, bintu, pas bnu. Bnu c'est pour le garçon, tafadhal. Question d'une sœur sur le salon. Salam alaikum, cher. Vous avez dit tout à l'heure que c'est une bid'a de lire en groupe, de lire le Coran en groupe. Mais est-ce possible de le réciter en groupe, c'est-à-dire un verset après l'autre, pour l'apprendre? Barakallahu fikum wa hafizakum Allah, à la mosquée, mais sans réciter fort forcément. Tfadal, cher. Salam alaykoum wa rahmatullah wa barakatuh. Muslim, j'ai pas bien compris la question. Est-ce que c'est possible de le réciter en groupe, c'est-à-dire un verset après l'autre pour l'apprendre? J'ai pas compris. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça? Tfadal. Non, cher, de ce que j'ai compris de cette question, c'est que par exemple, ils sont un groupe, trois ou quatre, et chacun, Inch'Allah, le cher a été déconnecté, on attend qu'il revienne. Le temps qu'il revient, je pose la question à la sœur qui a posé cette question, qu'elle me réponde en PV, Inch'Allah.
Ce que j'ai compris de cette question, c'est que vous êtes un groupe, par exemple de 3 ou 4 personnes, et chacun à la suite, vous allez répéter un verset. Donc un verset, et une fois que vous avez fait donc le tour, vous continuez avec le deuxième verset, le troisième verset, et ainsi de suite. Est-ce bien cela, Inch'Allah, si ce n'est pas le cas, essayez de reformuler la question. Barakallahu fikoum. Taïb, est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il a dit à propos de apprendre le Coran un par un, ou là, qu'est-ce qu'il a dit? Tfadlal. Non, chère la sœur, donc ce n'est pas ce que j'avais compris. Elle indique que c'est un groupe qui répète donc tous ensemble en même temps le verset, c'est-à-dire une sourate. Ils la lisent tout ensemble et récitent donc le verset ensemble en même temps, dans le but de l'apprentissage. Donc dans le but de l'apprentissage et pas forcément très fort au niveau de la voix. Fadal cher. Ensemble avec la même voix, juste pour le but de l'apprentissage, pas le but de réviser ou de réciter ou là. S'ils lisent comme ça, Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah a dit c'est permis, Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit c'est bid'a, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit c'est permis, Cheikh Al-Albani a dit c'est bid'a. Il a dit il n'y a pas comme ça le fait d'apprendre gagner en groupe. Il a dit chacun doit apprendre seul. Donc maintenant, si quelqu'un prend de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymeen, il est libre. Si quelqu'un ne veut pas faire ça, il dit non, il y a pas, le prophète Hassan ne l'a pas fait, ni les Sahaba, donc je ne fais pas ça. Il est libre aussi. Non. Taïb, voilà. Tfadlal, inshallah ta'ala. Avant cela, tout à l'heure, quand j'ai dit, je parlais de. Je parlais de. Si c'est une femme, elle dit. Dans le hadith, Allahumma inni abduk ibn amatik, pour que ça tombe juste, elle doit dire Allahumma inni amatuk ibn abdik, ensuite ibn amatik. Car elle est la fille de son père d'abord. Allahumma inni amatuk, yani, ton serviteur, ensuite inni amatuk ibn abdik, bintu abdik, la fille de ton serviteur, ensuite bintu amatik, ensuite la fille de. Yani, ton serviteur aussi, c'est-à-dire ma mère. Tfadlal. Donc, cher, le PV s'est refermé lorsque vous avez été déconnecté. Voilà, la question est très courte. Donc, question d'un frère sur le site. Assalamu alaikum. Une personne possédée peut-elle aller à la mosquée? Barakallahu fikoum. Tfadal, cher. Une personne, quand elle est possédée, n'am. Elles sont pas toutes les personnes possédées ne sont pas toutes, yani, c'est pas tout le temps la même chose. Cela dépend de la possession, nam, de sa puissance, de sa force, de sa faiblesse. C'est pour cela que si une personne possédée, mais elle sait que en allant à la mosquée, elle a l'habitude d'y aller et rien ne se manifeste. Elle tombe pas là-bas. Elle sait que c'est pas le genre qui tombe et qui s'évanouit. Commence à dire n'importe quoi, ou bien à chanter, ou bien. Dans ce cas, elle y va, c'est pas interdit. Mais si elle connaît d'elle-même que, yani, beaucoup elle tombe beaucoup, et que plusieurs fois elle a fait des problèmes comme ça dans la mosquée, il vaut mieux qu'elle n'aille pas que lorsqu'elle se sent apaisée. Lorsqu'elle a le cœur apaisé et elle sent que elle sent la foi, et mashallah, et qu'il n'y a rien en elle, dans ce cas, Inch'Allah ta'ala, c'est dans ce cas qu'elle peut aller, Inch'Allah ta'ala. Tfadlal. Question d'un frère sur le salon. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher, lorsque j'accomplis une action, il m'arrive parfois d'avoir la sensation d'avoir déjà vécu cette action. Pourtant, je ne me souviens pas l'avoir rêvé. Comment l'expliquer? Qu'est-ce que cela veut dire? Barakallahu fikoum pour vos efforts. Tfadal, cher. J'ai pas compris cette question. Elle est un peu difficile. J'ai pas compris cette question. Elle est un peu difficile, même si elle paraît très courte et simple. Même si elle paraît très courte et simple. Tfadlal, quelqu'un de vous, s'il peut m'expliquer. Tfadlal. Non, cher, je ne sais pas si vous avez déjà eu la sensation de faire une chose, de faire une chose, de vivre une scène, et d'avoir l'impression d'avoir déjà vécu cette scène. C'est-à-dire dans ce qui se passe, les personnes que vous voyez, l'endroit où vous vous trouvez,
Vous avez l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Personnellement, ça m'est déjà arrivé. Et donc cette personne demande en fait, est-ce qu'il y a une explication, sachant qu'il n'a pas le souvenir d'avoir rêvé. C'est-à-dire que là, il veut dire en fait que ce n'était pas un rêve prémonitoire. Mais bon, sachant que tous les rêves, on ne s'en rappelle pas. Non, cher, c'est quelque chose qui dans la vie réelle, quelque chose qu'on fait dans la vie réelle. Mais on a une sensation, un drôle de sentiment d'avoir déjà vécu ce qu'on est en train de faire. Donc lui dit, pourtant je ne me souviens pas l'avoir rêvé. Voilà, il est possible que parfois on rêve, mais on ne se souvient pas. D'ailleurs, quand on se réveille, on ne se rappelle pas qu'on a rêvé. Parfois, on s'en souvient des jours après. Allahu alam. Tfadal cher. Non, maintenant, Inch'Allah, Jazakallah khairan, j'ai compris. Des fois, écoutez, des fois on rêve des choses et on les oublie. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des rêves, des songes véridiques. Un songe véridique, tu l'oublies pas. Pourquoi? Car il est là dans ton cœur. Tu sens comme quelque chose, comme un petit pincement comme ça dans ton cœur. Non, un poids dans ton cœur qui te le rappelle. Qui te le rappelle. Non. Mais quand c'est un rêve du nefs, par exemple, on l'oublie. Et ensuite, on a rêvé une chose de nefs, comme ça, on l'a oublié. Ensuite, un jour, là, on va faire cette chose qu'on va rêver. Quand on va la faire, on va se rappeler, on va dire, Subhanallah l'adhim, j'ai vu ça dans un rêve. J'ai vu, par exemple, telle et telle chose, je me souviens d'avoir, c'est comme si j'ai rêvé de ça. Donc ça, c'est très normal. Ça, c'est très normal. Qu'une personne rêve d'une chose, il l'oublie. Ensuite, cette chose, yani, se réalise dans la réalité. Elle rencontre par exemple la personne que ça fait longtemps qu'elle ne l'a pas vue. En la rencontrant, elle dit, Subhanallah, tu me rappelles que je t'ai rêvé, ça fait un mois. Tu me rappelles que j'ai rêvé de toi, ça fait un mois, Subhanallah l'adhim. Et comme ça. Donc, ça, c'est très normal que la personne, des fois, dans la réalité, Yani voit des choses que elle a rêvées mais qu'elle a oubliées. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tfadlal. Question d'un frère sur le site. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous fasse miséricorde ainsi qu'aux admins. Amin. Est-il autorisé aux femmes de chanter et taper du douf? Si oui, en quelle occasion? Est-ce permis? Et est-il permis d'assister à une aqiqa où un groupe de femmes viendront taper du douf et chanter? Tfadha cher. Taper du douf, et chanter, là, se fait, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah, dans toutes les circonstances où il y a des joies. Contrairement à Cheikh Al-Albani rahimahullah qui dit que ça ne se fait que, par exemple, dans le mariage. Dans le mariage. Cheikh Ibn Uthaymeen s'est basé sur l'avis de Ahmed Ibn Hanbal rahimahullah qui a dit que yani, c'est permis pour la femme. Il a dit, on ne doit pas dire seulement dans le mariage. Il a dit c'est permis pour la fête. Ça dépend ce qu'elle a eu. Et... Non, mais il a dit c'est permis en général. Et la preuve, une femme, le hadith est authentifié par Cheikh Al-Albani. Il se trouve même dans Irwa al-Ghalil, si j'ai une bonne mémoire. Sinon, dans beaucoup de ses livres. Une femme est venue chez le prophète Arslam avec un douf dans sa main, un douf. Et lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai fait un vœu. Allah subhanahu wa ta'ala que s'il te ramenait vainqueur de cette bataille, que je frapperai du douf sur ta tête. Il lui a dit alors fais-le. Elle a commencé à frapper du douf sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez la rahma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah l'adhim. Imaginez-le alayhi wa sallam assis et une femme avec le douf sur sa tête, en train de frapper. Subhanallah l'adhim. Si le hadith n'était pas authentique, on aurait dit non, c'est pas possible. Mais connaissant bien le prophète, alayhi son caractère et sa rahma qu'il avait dans le cœur, etc., ce n'est pas étonnant. Donc vous voyez ici, c'est pas un mariage, il lui a dit ça fait rien, frappe, puisque tu as fait le vœu. L'essentiel c'est quoi? C'est que, quand elle frappe avec le douf, et si elle chante avec, elle ne doit pas lever le ton
et yani hausser la voix pour que les hommes l'entendent, pour que les hommes entendent yani ce qu'elle est en train de chanter et comment elle est en train de chanter. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. Tfadla. Question suivante. Question d'un frère sur le salon. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qu'Allah vous préserve. Voici ma question. Je suis un frère. Cela fait 2 ans que je n'arrive pas à avoir de rapport avec mon épouse sans raison du jour au lendemain. Il m'est même difficile de lui adresser la parole. C'est comme si j'avais un blocage. Je la vois maintenant presque comme ma sœur et non comme mon épouse. Mon épouse me dit qu'on m'a fait de la sorcellerie par jalousie car au début, il n'y avait aucun problème entre nous. J'ai donc déjà fait ruqya plusieurs fois, mais je ne sais pas si l'imam l'a fait selon le Coran et la Sunna, sans bid'a, et la situation reste la même. J'ai une petite fille de 2 ans et il m'arrive de penser au divorce. Je sais que j'ai fait beaucoup de mal autour de moi. Je ne sais plus quoi faire. Pouvez-vous me conseiller, Yachir? Cette situation m'est insupportable. Jazakumullah khairan. Tfadda, Cher. Non, vous m'entendez? Le frère qui a posé cette question a dit à la fin de sa question, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit une phrase que tu n'as pas lue, bien sûr. C'est pas obligé de la lire. Il a dit, regarde ce qu'il a dit. Il a dit, min fadlikoum, comme la question est très urgente, pouvez-vous la poser au cheikh? Car je vois que le cours sera bien bientôt fini. N'est-ce pas, musulman? Il a dit ça ou il n'a pas dit? Et il a dit ça. Je rassure le frère, Inch'Allah Ta'ala, que quand je suis rentré dans le salon, j'ai vu qu'il était à la tête de la liste. J'ai vu qu'il était à la tête de la liste. Ensuite, moi j'ai fermé le salon pour les causes que vous connaissez et j'ai réouvert. Donc il a perdu la tête de liste et il s'est classé en 8e ou 9e position. Il doit dire comment Yannick, j'ai remarqué ça. Non, j'ai remarqué. Donc, moi, je me suis dit, je ne ferme pas le salon jusqu'à ce qu'il arrive son tour pour que je lui réponde. C'est pour ça que ça fait maintenant au moins un quart d'heure que le cours est terminé. Mais j'attends spécialement pour que Yannick, sa question arrive. Alhamdoulilah Ta'ala, que sa question est arrivée. Barakallahu fik ya muslim. Donc, je dis à cette personne que elle doit avoir de la sorcellerie ou qu'elle doit avoir un djinn qui l'empêche. Car la sorcellerie, des fois, c'est seulement sorcellerie et des fois, c'est un djinn qui ramène la sorcellerie. Ça devient plus difficile. Il y a un djinn qui, des fois, ramène la sorcellerie. Et comme je vous ai dit, des fois, en dormant, tu sens, je ne sais pas si ça vous arrive vous, moi ça m'arrive plusieurs fois, en dormant, tu sens que quelqu'un veut te faire manger une chose. Tu sens que tes lèvres, c'est comme si elles voulaient avaler une chose. Et comme ça, je commence à cracher et dire, je sens que quelqu'un veut me faire manger comme ça, comme une bouchée de quelque chose, une cuillère de quelque chose. Ça, c'est le djinn qui te ramène de la sorcellerie, il essaye de la faire entrer dans ton ventre s'il peut. Moi, je dis à cette personne que, puisqu'il a fait une ruqya ou deux ou trois, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas. Car ça ne suffit pas. Moi, je connais des gens qui, leur djinn s'est manifesté après peut-être 2 ou 3 années de ruqya, pour qu'il s'est manifesté. Il y a des djinns qui sont vraiment yani, courageux, vraiment forts, vraiment rusés, vraiment ceci, et qui fait son possible yani pour ne pas se montrer, pour ne pas se manifester. S'il peut tenir comme ça des années, il tient. Pour que la personne dise, moi je n'ai rien, alhamdoulilah. Donc je dis, si lui doit faire, inshallah ta'ala, des doigts et la ruqya, naam, s'il voit que sa femme, patiente avec lui, car il est en train de la priver de ses droits. Je veux dire par droit, droit intime. Si elle patiente et elle dit, moi j'accepte. Moi, ça ne fait rien pour moi ces choses-là, j'accepte. Dans ce cas, il reste avec elle
il est en train de faire, inshallah ta'ala, la ruqya. Si sa femme, maintenant, il sent qu'elle est dans les problèmes et que yani, elle cherche ses droits et que maintenant, lui, il ne peut plus les lui donner, il devrait yani, la libérer. Il devrait la divorcer pour que ses droits n'aillent pas yani, dans le vent. Ça, c'est dans le cas où il sent qu'elle veut ses droits et qu'il lui fait du tort et que yani, elle est triste, elle est ceci. Il lui propose. Il lui dit, si tu veux, je te divorce. Non. Mais avant cela, il essaie, inshallah ta'ala, de se soigner et yani, de faire des ruqyas, de faire beaucoup de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a aussi des choses qu'on appelle qui a avec les herboristes. Vous connaissez les herboristes? Les herboristes, des fois, quand on tombe sur quelqu'un qui est un bon herboriste, là, des fois, il peut donner des choses qui fortifient la personne et qui peuvent éveiller la personne. Car ce n'est pas à 100% que c'est de la sorcellerie. Moi, j'ai dit comme ça. Mais ce n'est pas sûr à 100%. Il est possible que ça soit dû à une fatigue, à quelque chose. Donc, yani, des fois, on tombe sur un bon herboriste, il donne des fois des choses yani, qui, bi'idhnillahi ta'ala, sont profitables. Donc voilà, inshallah ta'ala, pour le cours d'aujourd'hui. C'est dommage si je vais m'arrêter car il est déjà tard. Et je m'excuse pour ceux qui ont la main levée, je ne suis pas arrivé à leur tour. Nam barakallahu fikoum cher d'avoir agi de cette façon, sachant que les personnes, même si vous m'écrivez de faire passer votre question avant les autres, je ne peux pas, ça ce sont des consignes qu'on a reçues du cher. Une question qui m'arrive, je la prends dans l'ordre, inchallah. Juste une dernière question cher par rapport à une question qui vous a été posée la dernière fois. En fait, vous aviez oublié une partie de la réponse sur une question. Et je vais vous lire rapidement un petit passage, et Inch'Allah, vous allez vous en rappeler. Donc la sœur dit, en fait, mon ex-mari, pendant qu'on était mariés, il me disait tout le temps que c'était fini, et il me renvoyait chez mes parents, jusqu'au moment où il ne voulait plus me reprendre, et a dit clairement à ma mère qu'elle devait me garder, qu'il me divorce, et qu'il ne voulait plus de moi. Après, on s'est réconciliés, entre guillemets, de force, même pas 24 heures. Puis pendant ces 24 heures, j'ai découvert qu'il m'avait trompé avec plusieurs femmes. Donc là, c'est moi qui ai demandé le divorce. Ma question, pendant ces 24 heures de réconciliation, entre guillemets, est-ce que j'étais divorcé à la base, donc dans le haram? Et si j'étais dans le haram, ce n'est donc pas moi qui ai divorcé en demandant le divorce, c'est bien lui. Qu'en est-il de la dot et du divorce au tribunal des kuffars, barakallahu fikoum, qu'Allah vous accorde le firdaous, ainsi qu'aux admin. Amin. En fait, cher, elle veut savoir. Est-ce que c'est son mari qui l'a divorcée ou est-ce qu'elle a fait le khula? Voilà, elle veut savoir entre les deux, Inch'Allah. Tfadal, cher. Est-ce que tu viens pas de dire, parce que j'ai pas bien entendu, est-ce que tu viens pas de dire que quand il l'a ramené chez ses parents, il a dit à sa mère, j'ai plus envie d'elle, garde-la, etc. Est-ce que tu n'as pas dit ici qu'ils ont repris 24 heures après ou là, ils ont repris ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu as dit ça ou pas? Non, cher, c'est bien ce que j'ai dit, et je vous ai fait parvenir le PV, Inch'Allah. Maintenant, quand il lui disait c'est terminé entre nous, ou là il dit à sa mère, garde-la, j'ai plus envie d'elle. S'il dit ça, avec la niya qu'il n'a plus envie d'elle, donc, yani, avec la niya de divorce, elle est divorcée. C'est pas la peine qu'il dise tu es divorcée. S'il dit va chez toi, j'ai plus envie de toi, ça veut dire que tu es divorcée. À condition que lui, dans son cœur, il a pensé au divorce en parlant de ça. Et non pas. Peut-être qu'il a dit seulement ça, c'est-à-dire il a dit dans son cœur le temps que yani, ma colère yani, parte de moi. Non, s'il a dit dans son cœur, classe, j'ai plus envie d'elle, va chez tes parents, c'est terminé entre nous. Dans son cœur, il a dit c'est terminé, donc c'est terminé. Elle est divorcée. Mais c'est pas ça le plus essentiel. Le plus essentiel, c'est que ils se sont réconciliés après. Elle a dit de force. Moi, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire de force. On ne peut pas se réconcilier de force. Ou bien on accepte, ou bien on n'accepte pas. Un Maintenant, s'ils se sont réconciliés, ça veut dire qu'ils ont repris. S'ils ont repris, donc, le divorce, il n'y a plus. Ça compte seulement un divorce, deux divorces, mais
Maintenant, on est marié. Et pendant qu'il l'a reprise, elle a découvert qu'il a trompé, etc. Elle a demandé le khola. S'il a accepté, lui, il a dit d'accord. Alors, elle lui rend la dot. Elle lui rend la dot. Si c'est elle qui a dit, yani, on veut se séparer. S'il a dit d'accord, rends-moi la dot. Elle lui a proposé, il a dit j'accepte. Qu'elle lui rende la dot. Ensuite, elle part du tribunal des coffres. J'ai dit que le tribunal des coffres ne pouvait ni marier ni divorcer. Le tribunal des coffres, il peut seulement te donner des papiers. Toi, tu te maries, ensuite tu vas au tribunal, il te donne des papiers. Toi, tu divorces, ensuite tu vas au tribunal, il te donne des papiers. C'est pas comme le tribunal musulman. Le tribunal musulman, des fois le mari n'a pas envie de divorcer et le juge la lui divorce. Il lui divorce sa femme de force. Il voit qu'elle est lésée, que son mari lui fait tort, qu'il la frappe, que ceci, que celui-là. Et elle va déposer plainte. Il lui dit, tu es divorcée. Et il envoie un papier à son mari, tu es divorcée, ta femme est divorcée. Naam, car Allah Ta'ala a donné au juge musulman ce qu'il n'a pas donné à d'autres, ni à un juge kafir. Donc elle doit voir, Inch'Allah Ta'ala, elle, avec son mari, si c'est elle qui lui a proposé, yani, la dot. Alors qu'elle lui donne la dot. C'est pas la peine qu'elle dise c'est beaucoup, ceci, cela, ma'lish. Qu'elle lui donne sa dot, l'essentiel qu'il la laisse tranquille. L'essentiel qu'il l'accepte et qu'il la laisse tranquille. Je vois, d'après ce qu'elle raconte, que c'est pas quelqu'un, yani, avec lequel on peut vivre. Surtout quelqu'un qui a quoi? Quelqu'un qui a trahi. Ou quelqu'un qui a trahi et qui a fait cette chose-là, il vaudrait mieux s'éloigner de lui, même si je lui dois lui donner tout l'or du monde, qu'il me laisse seulement tranquille et il me laisse commencer une nouvelle vie avec quelqu'un de masha'Allah, avec quelqu'un masha'Allah de pieux, de ceci, de cela. Naam. Wallah subhanahu wa ta'ala alam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته